Chesnay, je sais jamais comment on dit.
scientifique en France. Au début, j'avais lu Nicolas Sarkozy, je me disais, hein, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, je comprenais pas. Sondages et des lettres qui alimentent le dialogue. Tout est annexe.
creuser pour que les programmes vous plaisent. Ok. Alors, ici, on nous dit quoi? On nous parle de... fiche de candidature pour le concours des chasseurs de son. Je vois Club Lyonnais d'enregistrement magnétique. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a donc ici? De ce côté-là, on a une lettre. Courrier d'auditeur. Cette émission sur bien m'a assez intéressée, car ma bonne partie, car une bonne partie me concerne en tant qu'un croyant. C'est d'ailleurs curieux qu'une émission sur Dieu, ah c'était Dieu, là cette émission sur Dieu, consacre une telle importance à ceux qui n'y croient pas. Et là on a quoi? Recevez ce matin. Messieurs, je viens d'entendre votre émission de ce matin concernant les problèmes du monde agricole. Je l'ai écouté avec un grand intérêt et un vif plaisir, espérant que, quand cette saison de l'année, et quel que soit votre scepticisme sur le sujet, je n'étais peut-être pas le seul agriculteur de France auditeur de France Culture. Et dis donc, il y en a, ils sont sacrément remontés. Quand même, c'est rigolo. C'est rigolo parce que des fois, tu te dis, ouais, les commentaires sur YouTube et tout ça, et en fait, tu te rends compte avec ça que ça date pas d'hier, ce genre de choses. Qu'il y a toujours eu des personnes qui venaient de chasseurs de son au forum internet. Ok. France Culture doit même son nom à ses auditeurs, appelés jusqu'en décembre 1963. RTF Promotion. Elle est rebaptisée comme France Inter et France Musique après un référendum auprès du public. Ah bah ça je ne savais pas du tout. Peut-être que vous le saviez déjà si vous connaissez bien cette radio, ou peut-être même y avez-vous participé dans les années 60. Les émissions de radio jouent dans ma vie un rôle important pour trois raisons. Je vis seule, je n'aime pas les informations télévisées et j'ai donc l'habitude de brancher mon poste pendant les repas. Depuis au moins 10 ans, je me livre à mes occupations ménagères en écoutant tout au long de la semaine la matinée historique, la matinée littéraire, les arts du spectacle, le monde contemporain. Chaque fois que mes autres travaux me le permettent, plus personnel encore, ma vue demande à être ménagée. Priorité absolue.
nécessité de mon enseignement. Comme je m'intéresse aux ouvrages qui paraissent, aux pièces nouvellement présentées, aux recherches actuelles dans les sciences humaines, je suis heureuse d'être tenue au courant de tout cela par l'oreille et non par l'œil. Auditeurs de France Culture qui a commencé en octobre 1984, donc ça commence à dater. Là, des pics et là, des creux.
je trouve qu'elle est fort intéressante. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on va lire La science et les hommes de 1967 à 1997? Mercredi sur ma chaîne principale et le mercredi sur ma chaîne secondaire.